Salut, vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel. Le tutoriel d'aujourd'hui a pour but de vous guider sur les sites de la Seine-Saint-Denis afin que vous puissiez prendre rendez-vous pour renouveler votre titre de séjour. Peu importe la mention, peu importe la nature de la carte, je vais vous dévoiler trois astuces. Une astuce qui va vous guider sur le site lui-même et l'autre astuce. Pareil, un cran en dessous sur le site, vous aurez au moins des clics à faire. Et la troisième astuce qui sera à la fin du tutoriel, un code du service des rendez-vous du renouvellement. Ok? Si vous êtes en vie professionnelle, c'est pareil, il y a un code pour ça aussi. Vie familiale, il y a un code pour ça aussi. Et plein d'autres, il y a un code pour ça. Étudiant, il y a un code pour ça aussi. Donc, je vais commencer avec, ok, vie privée familiale. Et puis, vous allez comprendre au fur et à mesure du tutoriel. Donc, restez juste à la fin pour voir celle qui va vous déposer directement sur la page où les rendez-vous se trouvent. Là, en premier lieu, vous avez ceci. Ceci est celui, bon, on va commencer par Je vous prie de vous abonner, merci. celui-là. Le plus compliqué, en principe, vous allez dans votre barre de recherche, vous tapez ceci. Ok, vous tapez HTTPS, donc HTTPS 2 points, slash slash, www.sen-saint-denis.gouv.fr. Slash démarche étranger, vos démarches. Il faut savoir que lorsque vous cliquez ça, mettez la vidéo en pause pour que vous puissiez voir. J'ai tapé parce que moi je les ai tapés. Donc voilà. Et voilà, lorsque vous arrivez ici, en principe, vous êtes là où vous allez pouvoir piocher. Donc, en principe, l'accueil c'est là. Donc je vous ai mis un cran au-dessus. Lorsque vous êtes sur le site, l'accueil sera présenté comme ça. La façon que je vais vous montrer va vous exenter ici, là, tout à l'heure. Laissez un like plus un commentaire. Carte grise, permis de conduire, carte d'identité, passeport et accueil des étrangers. C'est là-dedans qu'on va pouvoir faire certaines choses. Vous avez la possibilité de faire étranger vos démarches. Okay? Si on fait ceci, on fait un tour voir où est-ce que ça va nous amener. Principe, ça vous amène ici. Là aussi, vous pouvez passer par plein de... Donc, moi, je ne vais pas vous perdre là parce que sur le site, il y a pas mal de choses. C'est pour ça que l'astuce que je vais vous amener à la fin là, c'est l'astuce qui va vous exempter de vous perdre sur le site en fait, que vous soyez au bon endroit pour pouvoir prendre rendez-vous. D'accord? Là, vous avez vu, on s'est déjà perdu. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont se perdre. Donc, ici, vous avez la possibilité de créer votre compte. Hein. Bon, hop. Donc, pour les permis et tout, là, c'est un peu spécifique. Donc, pour retourner où est-ce qu'on était tout à l'heure, vous avez cet onglet-là, démarche. Vous avez tout ceci comme option, étranger, vous démarche, ok? Et mais par contre, vous aurez pu aller cliquer parce que ici aussi, parce que c'est représenté ici. Vous cliquez ici aussi, ça vous amène ici, ok? Si on était tout à l'heure, où est-ce qu'on était tout à l'heure? Pour ça que la technique que je vous ai amenée, elle est importante. Si vous faites dans démarche, vous serez amené ici aussi étranger vos démarches. Voilà, ça c'est là où est-ce qu'il faut aller pour commencer, c'est pas finir. Prendre rendez-vous par exemple. Vous allez directement sur prendre rendez-vous, mais voilà, et là vous avez la possibilité de prendre rendez-vous sur la préfecture du Bobigny et sous-préfecture du 93. Donc moi, je vais vous éviter tout ça. Pour ça, je vous invite à partager le tutoriel. Ça, pareil. Ok. Si on prend celui-là,
Le premier lien que je vous ai concocté, celui-là, c'est juste pour vous montrer comment faire. Parce que je sais que c'est compliqué des fois. La première façon, vous allez lire. Donc, vous déposez directement ici aussi, mais sauf que, voilà, vous avez un rendez-vous en préfecture à Bobigny. Il a pour dépendre des motifs que vous allez faire. Voilà. Moi, la technique que j'ai amenée pour vous, elle va vous déposer. Elle va exempter tous les clics là, elle va vous déposer directement dans ce que vous souhaitez, par exemple. Là. Là, vous voyez? Tout ça, là, pour faire les clics, pour aller faire ci, par exemple. Là, on va faire un tour au Rincy. Au Rincy, voilà. Je vous prie de vous abonner, merci. Faut qu'on arrive ici pour pouvoir suivre. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer l'astuce. J'ouvre un nouvel onglet. Vous allez dans la barre d'URL de votre navigateur, vous tapez ceci. OK? https://www.rdv-préfecture.intérieur.gouv.fr slash rdvpref slash réservation slash démarche. Et pour le renouvellement en préfecture de Bobigny, le code c'est ceci. Ok, vous avez vu tous les cliquages qu'on a fait tout à l'heure. Donc je vous prie de vous abonner si ce n'est pas encore fait et partager, laisser un commentaire. Voilà. Ici, c'est le code. Donc 4082. Ok, vous tapez ceci, mettez en pause le tutoriel pour que vous puissiez bien taper ceci. Si vous tapez ça autrement, faut pas dire que c'est ma faute. Là, si je fais entrer, moi, qui va me déposer directement ici. Renouvellement du titre de séjour. Ici. Et là, ça c'est vie privée familiale. Ça aurait pu être autre chose. C'est-à-dire que les rendez-vous sont présents. Ok? Il faut juste que vous soyez sur le site. Toutes les façons, il vous avertit quand est-ce qu'il y a eu des rendez-vous. Ok? Pour vous dire que il y a des rendez-vous. Bien qu'il y a le service de la nef, ok, on va faire un tuto tout à l'heure. Et puis, vous allez voir comment ça se passe aussi un petit peu, mais pas beaucoup, parce que la nef, je vais faire d'autres tutos là-dessus. Voilà. Parce que les choses ont changé. La plupart des titres peuvent être renouvelables sur le site de la nef. Qu'est-ce que souhaitez-vous faire? Vous avez 6 étapes. Vous faites prendre rendez-vous. Là, à lire, vous pouvez lire. Attention, vous avez 15 minutes pour pouvoir, s'il y a des rendez-vous, prendre rendez-vous et confirmer ceci. Ici, vous devez taper ce code de sécurité. C'est R6 B D R. Si vous vous trompez, vous avez la possibilité de générer un autre code de sécurité par là. Donc là, ça va, je pense que je vais voir. Et donc c'est passé. Je vous prie de vous abonner, merci. Il y a eu des rendez-vous ce matin pour le renouvellement de votre titre de séjour. Donc à 9 h, quoi. Voilà, et voilà. Il y a ces 3 jours-là, par exemple, le mercredi, le lundi, le vendredi. Ces 3 jours-là, soyez ponctuels sur le site. Ceci dit, tous les autres jours, il peut y avoir des rendez-vous. Lorsqu'il y a des rendez-vous, je vais vous montrer comment ça va se présenter. Là, vous avez vu ce qui est là, mais par contre, il vous dit pas quand est-ce qu'il y aura d'autres rendez-vous. Lorsqu'il y a des rendez-vous, vous cliquez dessus, vous choisissez l'horaire que vous souhaitez. OK? Par exemple, lorsqu'il y a des rendez-vous, je vais vous montrer comment ça va se présenter. Donc, ça, c'est mon espace Canva. Je pense que je l'avais téléchargé d'ici. Je vais sortir, faire tout de suite, après je reviens pour monter ça. Pixabay, ça c'est le mal. J'ajoute une ici et je vais voir dans les images, les charger. Ok, vous voyez? Et heureusement que je les avais, je vais le télécharger quoi. Voilà. En fait, lorsque vous avez des rendez-vous, ça se présente comme cela. OK?
Ça peut être comme cela. Donc c'est du. Voilà, vous Partagez s'il cliquez vous plaît, là-dessus, merci. voici l'heure. Là, vous cliquez là-dessus. Par exemple, vous avez l'heure, la date. Ok. Donc, moi, j'ai. Vous aurez pu avoir d'autres créneaux ici aussi. Hein. Mais là, il y a deux créneaux. Donc, vous cliquez là-dessus, des quatre. Voilà. C'est comme ça pour. Lorsque vous avez des rendez-vous, c'est comme ça que ça se présente. Vous cliquez sur le créneau que vous souhaitez, puis vous rentrez vos informations et vous aurez 15 minutes pour certifier le tout, quoi. Pour valider et tout. Si vous voulez modifier aussi, c'est par là. Donc, le tutoriel a pris fin. Avant que ça prenne fin, vous tapez des étrangers en France. Donc, un autre site encore, si vous souhaitez. Je pense que j'avais pris le lien pour vous. Là, le lien, c'est ceci. Mettez la vidéo en pause. Vous tapez ceci dans votre barre d'URL. Okay. Comme cela. Vous amenez ici. Donc, du coup, vous créez votre compte. La plupart des choses vont se faire ici. Pour certaines personnes qui sont dans les cas. Voilà. Parce qu'ils sont en train de dématérialiser les choses. Merci et je vous invite à vous abonner pour d'autres tutoriels de la sorte.